Il est 15h24. J'ai l'impression que je commence mes vlogs de plus en plus tard ces derniers temps. Nous sommes donc mardi. J'ai enfin, là, il y a quoi? Il y a 5 minutes. Une réponse de Colissimo. J'avais fait une réclamation qui date de septembre sur une grosse erreur même. C'était en septembre, on est en février. Pour me dire qu'ils étaient désolés et que maintenant il leur fallait, parce qu'il y a au moins, j'avais répertorié 46 box qui étaient surfacturé en fait, dont une qui était à 4,1 kg. Ça ne va pas du tout. Et là, ils me demandent, franchement, j'ai pas que ça à faire, ça va me prendre un temps fou sur ces 46 box de leur donner tous les numéros. Alors qu'ils ont le fichier, quoi. Il suffit qu'ils voient, qu'ils listent les plus de 500. Bref, bon, je vais faire ça, si ça peut faire avancer les choses. Ça m'arrange pas parce que là, je suis en pas transaction, mais en prospection. C'est-à-dire que je regarde pour les prochaines box quel article je vais mettre par rapport à d'autres articles. Je réponds aux marques qui me relance, qui me demande si j'ai bien testé leur article, ce que j'en pense, si je compte le mettre et tout. Donc voilà, je réponds également à tout ça en même temps. Je pense que je paye, là, c'est les conséquences. Si vous avez vu mon dernier vlog, je suis épuisée, j'ai plus du tout d'énergie. Ça va remonter, là, ça fait 4 jours que je prends le fer, mais là, je pense qu'on est... C'est pas bon, là. je le sens, j'ai extrêmement froid. Dis-je, mais des couches et des couches et des couches, c'est une passade. Ceux qui sont anémiés, je pense, comprendront. Voilà, donc là, j'avance et je filme en même temps ce que je peux vous filmer. Par contre, j'ai imprimé hein, et j'ai stabiloté parce que chaque numéro de colis, il y a 10 chiffres. Tu multiplies par 46 box, 460 chiffres à taper en plus. Non, ça va. Voilà, l'erreur, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Donc, j'ai envoyé tout ça et on attend. Si j'étais courageuse... Oh là, fou celui-ci, il est 17h. Je mettrai mes baskets, parce qu'il fait bien jour encore, et j'irai marcher, faire une course ou deux. Mais là, je suis pas courageuse du tout. Pas du... Oh là là, attends. Oh, ils viennent de me répondre. Colissimo vient de me répondre. Je vais découvrir en même temps que vous. Attends. Nous avons pris connaissance, monseigneur, de votre demande, et nous vous prions d'accepter toutes nos excuses. Excuse acceptée, quoique, attends, pour la gêne occasionnée, bah tu m'étonnes. Après examen de votre facture, il apparaît que vous avez été facturé à tort sur 46 colis. Et ben voilà, nous allons procéder à la réalisation de l'avoir, plus l'ajustement pétrole sur votre facturation de février. Ah, enfin. Bon bah voilà, ça c'est bien quand ça se passe comme ça, je suis contente. Elle est contente, ta maman. Les amis, parce que là je suis sur Box Le Boudoir. Ah, oui, suivez-moi si vous aimez les box. J'ai aussi un Insta, Box Le Boudoir. J'ai Caroline Rouxel, mais j'ai aussi Box Le Boudoir. Nous sommes le 6, là, au moment où je vous parle. Quand je vous dis que cette box va être top, si vous avez envie de craquer, c'est maintenant. C'est jusqu'au 10 inclus. Donc il reste 4 jours. Fais check. Pardon. Fais check à ta mère, elle a eu gain de cause. Non, pas avec la tête, avec la patte. Fais le check. Ah voilà, ça c'est check. J'ai pas mangé beaucoup ce midi. Donc je vais me faire, enfin j'ai envie que ça, je sais qu'il est 17h. Mais... La petite baguette, un petit bout de tradis comme ça, coupé. Je vais mettre ça au four. Le beurre, la confiture. Je sais plus, si je crois que je vous l'avais montré. Ça, c'est le fer qui est le mieux toléré parce que mon corps les rejette. Et celui-ci. Ah, voilà, fer biglycinate, pas mal toléré quand même, par rapport à tout le reste. Il y a peut-être qui se demande si j'ai commencé l'apprentissage du piano en 15 minutes par jour. Alors oui, donc avec ça, mais la partie théorique, et à un moment donné, je bloquais quoi, c'était très technique, et il y a un truc qui me bloquait, donc j'avais pas avancé, j'ai demandé à Eric. Lui, il a quand même fait le conservatoire, le solfège, donc je pense que c'est des choses, des bases qui restent. Mais j'ai pas encore fait l'application directement sur le piano. Mais bon, ça me paraît quand même encore super abstrait. Ouais. Promis, si j'avance et si ça fonctionne, je partage. Oh, attends, il va cramer mon truc. J'ai la nausée. Ça fait du bien de manger, j'ai besoin de remplir le ventre. C'est ce que je vous dis, je sais pas si c'est le traitement, mais... J'ai un peu la nausée, ou c'est l'anémie peut-être, je sais pas, ou c'est de perdre autant de sang. Je crois que j'ai refait un épisode comme j'avais fait il y a un an de ça, j'avais été aux urgences
Et après, j'avais été faire un examen. J'avais passé une écho pelvienne parce que j'avais des violentes douleurs aux ovaires et je perdais énormément de... Viens ici. De sang. Et aux urgences, on m'a dit non, nous, vous allez là-bas. Donc, il m'a fait l'écho pelvienne. Et effectivement, il a vu que j'avais un kyste qui s'était rompu et que, avec la pilule, enfin, je vous dis, hein, moi, c'est la pilule que je prends qui me provoque tous ces kystes, hein, aussi bien poitrine que là. C'est flippant d'ailleurs. Parce que tu dis, bon, c'est un kyste, c'est quoi? J'avais fait il y a 3-4 ans une manmo. Et faudra quand même que je refasse. Mais voilà, la pilule, elle m'avait dit, la sage-femme, sachez qu'on a pas mal de retours avec cette pilule, ça peut provoquer. Et tout ça pour vous dire que, elle m'a dit, oui, vos douleurs là, hémorragiques, c'est ça, c'est des kystes qui seront. Donc, voilà quoi. Et je pense que je suis là-dessus depuis 3 jours. Donc, autant dire que ça me fatigue. Donc, faut que je mange. Ah, je vais peut-être me prendre un petit coca là, un vrai coca, un peu de glucose, genre 2-3 gorgées. Nous sommes le lendemain, il est entre 10h30 et 11h. Je viens de mettre, regardez, est-ce que vous allez voir, j'ai utilisé donc j'en ai switché deux ombres à paupières de la nouvelle Beauty Wild là, que j'ai reçue palette, j'adore. Ça se travaille bien, en plus c'est assez flatteur avec mon iris qui est bleu, j'adore cette palette, j'ai pas fini encore de la découvrir. Donc là il est entre 10h30 et 11h, Eric, on est mercredi, ne travaille pas exceptionnellement, on va en profiter pour passer la déchetterie. On va remplir toute la voiture, je pense que ça va être blindèche, faut le faire. C'est chiant mais il faut le faire, je pense qu'après je me sentirai mieux parce que c'est un petit peu plus des trois quarts, c'est quand même mes trucs, hein, des box. Je rebondis par rapport à certains commentaires, c'est tout à fait normal, hein, que j'ai reçu sous ma dernière vidéo où je disais j'ai pris 4-5 kilos, un truc comme ça. C'est pas grave, hein, je fais absolument pas d'obsession sur mon poids, la preuve, je me suis pesée par curiosité. Si je faisais des obsessions, je me pèserais tous les 4 matins, je ferais attention à ce que je mange, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est pour ça que j'ai pris 4-5 kilos. Je me limite pas, en plus je mange le soir, je grignote, enfin bon, voilà, je pense que dès l'instant où je déciderai que je calme le jeu, ça ira mieux, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. J'évoquais juste la chose, je ne fais pas partie de ces gens qui peuvent manger tout sans prendre un kilo. Surprise! Allez, ça c'est tout venant. Bon, voilà, c'est chose faite, c'est pas le temps idéal, quand même, il pleut, ça passe. Pardon? La déchetterie quand il pleut, les cartons et tout, c'est pas ouf. Le vent? Ouais, le vent aussi. On pousse un peu, on va dans un... C'est quoi en fait? C'est un petit carrefour, non? Ouais, on va un carrefour market. Pour manger ce midi. Je me suis pris une saucée. Laisse tomber. Ah bah tiens, en parlant de ça, faut que j'achète du shampoing sec. Bon, on s'est pris une sauce. Oh, il fait trop sombre. J'ai pris le premier qui venait. Shampoing sec. Ça doit être la marque Carrefour. Marqué volume, c'est ça qui me tentait. Vas-y, je vais le faire tout de suite. Ils sont très 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 bons. À l'extrait de bambou. Ouais. La recette du jour. Alors, carreau avec toutes ses contradictions. Des pommes, en fait j'adore ça. Mais, bien évidemment, le côté sombre, des petits donuts. Ils étaient à 1€. J'ai trouvé ça. Pareil, pour un midi, c'est trempé. Hein. Lentilles, légumes cuisinés au lait de coco. Ça, j'ai pris pour un midi. Poireau, crème fraîche, oignon, noix de beurre. Ça, c'est Eric. J'aurais pas pris. Je pense que ça va être tout mou, mini gaufre. Et lui, c'est pris du riz cantonné pour ce midi. Voilà, en tout cas, on a vidé tout ce qu'il y avait dans la voiture. Franchement, je pense pas qu'on... Il est midi et quart, mais vu le temps, et ça va pas du tout s'arranger cet après-midi. Il m'avait proposé, ça te dit, on va se promener. Mais non, si c'est pour être avec la capuche comme ça et regarder ses pieds, pas fou, quoi. Bah, du coup, je sais pas ce que je me fais ce midi. Par contre, c'est une blague. Non, mais alors, le genre de truc qui peut m'agacer... Date de péremption, le 24 janvier 2024. On est le 6 février 2024. Ben non, ça va pas être possible. Voilà, super. J'imagine que s'il y a celui-là, il y en a forcément plein d'autres dans ce cas-là. Et les gens ne regardent pas forcément. C'est pas comme si déjà on payait tout très cher. Ben non, ça veut dire qu'il faudrait que je le ramène. Mais comme je vous disais, on a poussé un petit peu. C'est à 20 minutes en bagnole. Moi j'ai fouillé, c'est vrai qu'elle m'a pas donné de ticket et comme j'ai pas la carte Carrefour, bah voilà. Si je débarque là-bas, on va me dire bah oui, mais on n'a pas la preuve. Bon, le repas c'était pas ouf.
Eric s'est régalé, ils sont cantonnés. Moi, je me suis pris juste une baza avec un peu de charron, mais je me suis rattrapée, j'ai pris ma pomme et les donuts sont super bons et j'avais raison. Ces gaufres, elles sont un ton dessous quand même. Le truc bien, c'est que vous avez vu la barquette, elle est réutilisable et micro-ondable des petites gaufres. Le temps, comme je le pensais, ne s'arrangera pas, on ne va pas bouger. Eric, il fait son entraînement et moi, je vais en profiter pour faire un peu de ménage, de rangement. Je vais téléphoner au menuisier là, une fois que j'aurai fini ça. Et ah, si, il faut que j'appelle aussi une marque pour la gourmandise. Si jamais vous vous demandez, celui-ci que j'utilise, c'est sans résidus nocifs. C'est spécialement conçu pour les animaux domestiques, les enfants en fait, qui mettent leurs mains partout, leurs papates, et après ils se lèchent. C'est plutôt pas mal. L'odeur, ça va, correct. On le sait que celui-ci, il met ses papates partout. Tu les mets partout, tes papates? Ben oui, ça traîne, ça. Ah ben oui, c'est du traînard. Eh oui. Oui, bonjour, c'est Caroline, Box Le Boudoir. Bonjour, Caroline. Vous allez bien? Gourmandise de la boxe. Il fallait que je fasse une petite confirmation. Et là, j'appelle le menuisier. Et là, c'est là qui me dit, mais non, je n'ai pas reçu votre acompte. J'ai donné 900 euros. L'idée, c'est, bon, bien sûr qu'il va avoir reçu, je pense, il ne m'a pas répondu, mais il va l'avoir reçu. Mais c'est d'avoir un ordre d'idée sur les travaux. S'il a des petites infos à me... Donnie, j'ai froid, j'ai refroid. Mais alors, c'est les mains, c'est les glaçons, les pieds, enfin toutes les extrémités, le bout du nez, tout. Je vais laisser un message. Bon, bah, je vais laisser le petit message comme vous avez pu voir. Bon, je pense qu'il me rappellera demain. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas le soir, hein. Il est 15h, mais dans la chambre, c'est hyper sombre. Vite. En fait, ce matin, j'ai pas eu le temps de faire ma séance d'elliptique. J'avoue, ça me manque, mais moi, j'aime pas. C'est soit le matin, soit le soir. Mais comme ça, dans l'après-midi, je suis pas. Non. Pendant que je suis là, parce que je sais que des fois, vous me demandez c'est quoi ta lecture. Donc en ce moment, c'est ça. Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie. C'est pas mal, hein. J'aime bien l'univers. Il y a pas mal de personnages qui portent pas mal de surnoms. Donc au début, c'est pas que c'est indigeste, mais il faut être concentré. Mais sinon, c'est pas mal. Alors ici, c'est ma petite bibliothèque privée. Bon, je les ai un peu entassées. Dernièrement, j'en ai lu pas mal qui étaient pas ouf. Où j'avais plutôt hâte que ça s'arrête parce que je trouvais pas ça passionnant. Par contre, ça, valeur sûre, j'en ai beaucoup. Amélie Nothomb, j'adore sa façon d'écrire. Très efficace. Moi, je trouve le temps de lire uniquement le soir. Fuito. Chérie ? J'appelle Chérie, c'est lui qui me répond. Il y a une petite fuite d'eau. C'était peut-être mal fermé ce truc là. Bon, je vais m'occuper de ça. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Je vais vous dire à vendredi pour je sais pas exactement quoi. Ce sera peut-être une face cam ou un vlog. Bon, peu importe. Suivez-moi sinon sur Insta. Mais tu t'arrêtes? Qu'est-ce que c'est? Il est bientôt 16h, ça va être la croquette. Je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. Ciao!